Bé, eh, bona tarda a tothom. Iniciem una nova edició dels debats d'educació, de, la primera del 2010. Eh, repetirem una vegada més per als no habituals, tot i que cada vegada de fet els habituals són més, eh, que Debats d'Educació és una iniciativa de la Fundació Jaume Bofill i dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya una iniciativa que ja vam iniciar l'any 2003 i que en aquest moment es troba, de fet, ja en la setena edició. Abans de res, voldria agrair novament al MACBA la possibilitat que ens dona de portar a terme aquest debat en aquest eh, magnífic espai i eh, recordar doncs, això que l'objectiu de debats d'educació és promoure aquest fòrum de discussió i de sensibilització entorn de temes d'actualitat i de fons que, que ha de donar resposta necessàriament al nostre sistema educatiu. Per aquest propòsit, eh, aquest curs ja hem comptat amb les eh, intervencions dels professors eh Van i i i, darrere, i la darrera de Mats Eholm. Ehm les seves ponències entorn de la segregació escolar i de l'autonomia dels centres les podreu trobar, com sempre, recollides en aquesta web que, que veieu a la pantalla, la web dels debats d'educació. I, eh, bé, eh, avui mantenint aquest l'objectiu dels debats i per ajudar-nos a reflexionar sobre la situació actual del nostre sistema educatiu i concretament per desenvolupar la idea del declivi de la institució escolar, tenim el privilegi de poder comptar amb la presència del professor François eh, Dibé, que eh, l'Anna Jolong, responsable de l'àrea d'educació de la Fundació Jaume Bofill, eh, us presentarà ara amb més deteniment. Hola, bona tarda. Uh, bé, com deia en Josep Maria Mominó, és un privilegi tenir avui entre nosaltres el professor François Dubé i per mi personalment doncs, el poder fer aquesta presentació. En François Dubé és director de l'Escola dels Estudis Socials a París i professor a la Universitat de Bordeus II. La seva obra és molt extensa i és difícil fer-ne una tria és eh, sociòleg en sociologia de l'educació, especialment, ha esdevingut un referent en molts dels debats eh, que traspassen les fronteres de, de França. Recordareu alguns eh, una de les publicacions del que va ser una obra eh, significativa, La Galère, eh, Jean Zalsourvi, La Galère, joves que sobreviuen o que es troben en situació de, de gran dificultat, on va explorar la marginació juvenil i es va anticipar, amb la seva detecció i les seves hipòtesis, el que ha estat i el que hem vist després de les revoltes en les banlieues franceses. Després de la galer, François Dubé no ha deixat d'interrogar-se, d'aprofundir, d'analitzar i de treballar sobre la qüestió escolar i en altres llibres, a destacar el 1991 l'Élissa, que és una incursió en els instituts eh, francesos o també amb la seva sociologia de treball de camp i de terreny, entrevista al professorat, entrevista la gent que treballa en l'entorn escolar, entrevista els propis joves. També tenim una obra traduïda eh, gràcies a l'editorial GEDISA, l'Escola de les Oportunidades, que probablement doncs és el que la majoria eh, coneixeu, hem, 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 llegit, no? perquè ha tingut un, un fort ressò en el món de, de l'educació també aquí. També hi ha ja més tard fer de fets d'escola, el 2008, i François Dubent no només eh, s'interessa a, a la qüestió escolar, és un sociòleg eh, que ha treballat temes molt diversos i també, d'alguna manera, tot el que és la, la societat moderna, la, la modernitat en el nostre món d'avui, hi ha una obra també traduïda per Gedissa, El declive de la institución, i ha continuat aquest treball que va iniciar amb El declive de la institució justament amb eh, la seva darrera obra publicada, que és Le travail de société, el treball de societats, com es construeix eh, la nostra societat. Per tant, els seus temes són els moviments socials, els problemes urbans, els joves, la delinqüència, la violència, l'escola en si mateixa, mateixa, però també la socialització i la sociologia. Eh, François Dubé també és una persona, ja ho he dit, de treball de camp, de terreny, no és un sociòleg de laboratori, i eh, parla dels perills de confondre de vegades els indicadors amb la realitat. La seva sociologia es basa en l'experiència, també té un llibre que és Sociologia de l'Experiència, perquè ell creu en l'actor social, social com algú capaç de reflexionar, d'interpretar, de tenir discurs sobre la seva pròpia de realitat, de definir la seva realitat i de lluitar contra els condicionants més negatius. Eh, respecte a, a l'escola també hem de dir que és un sociòleg compromès ha estat implicat en campanyes contra el fracàs escolar a França i també eh, s'ha pronunciat en els últims debats, eh, m'ho explicava que ahir va publicar a Le Monde parlant de tot el debat sobre les escoles d'elite a França i les grans écoles, preocupant-se pel seu interès perquè creu que aquest debat desvia moltes vegades eh, la preocupació i la seva aposta, que és aquella per als més desafavorits, pels que queden enrere, pels eh, vençuts del, del sistema. També ens alerta amb l'última reedició de la Galea el perill d'un gir, d'un debat eh, identitari de coses que són qüestions socials i de justícia. I per acabar aquesta presentació, eh, en, en François Dubert diu que l'escola del futur no es pot construir sobre el seu passat. Eh, sense més, eh, donem la paraula al professor François Dubert. Moltes gràcies. Bien, merci. merci beaucoup de m'avoir invité. Je, je vais parler français Je, je, tout le monde est équipé pour... Euh, bien. Il y en a dont le cerveau est di directement équipé et d'autres qui ont besoin, comme moi, d'un appareil pour euh, traduire. Alors je, je, vais, euh, je vais développer une, une thèse qui, a priori, euh, est, est très paradoxale, qui euh, est la thèse du déclin de l'institution et notamment la thèse du déclin de l'institution scolaire. Alors pourquoi c'est une thèse paradoxale Parce que probablement jamais dans l'histoire de l'humanité autant de gens n'ont été à l'école, autant de gens n'ont été longtemps à l'école, autant de gens n'ont autant travaillé à l'école, et jamais probablement autant d'individus voient leur vie sociale déterminée par leur vie scolaire. Donc, c'est a priori absurde de parler du déclin de l'institution scolaire, puisque, au fond, l'école, on en a jusque-là. Euh, un enseignant, c'est quelqu'un qui est rentré à l'école à trois ans et qui ne l'a jamais quitté. Donc, euh, c est, c est, vu comme ça, il y, y a vraiment eu beaucoup d'écoles et, très simplement, euh, mes parents pouvaient rentrer dans la vie sans trop de diplômes scolaires aujourd'hui plus personne ne peut rentrer dans la vie sans qualification scolaire je répète du point de vue de l'histoire du point de vue des dépenses publiques on est au sommet de la puissance de l'école dans les sociétés bien donc c'est pas c'est dans un sens très particulier que je vais parler de l'institution scolaire. Je vais parler de l'institution scolaire comme d'une manière de socialiser les élèves. Je vais, je vais donner au mot institution un sens très précis, une sorte de type idéal, au fond, disant j'appelle institution une, un programme symbolique. Une grammaire de l'action très particulière que j'appelle institution. Que je vais évidemment, rassurez-vous, euh, définir. Euh, autrement, mon propos serait totalement absurde de, de dire qu'il y a un déclin de l'organisation scolaire. Je répète, elle est extrêmement puissante. Je vais donc appeler institution une forme de l'éducation et une forme de l'éducation que j'ai emprunté, je dois le dire, pour l'essentiel, à des travaux de Durkheim sur l'histoire de l'école en France. Alors j'ai une tendresse particulière pour Durkheim, parce que lui et moi, on a été professeurs à Bordeaux. Alors ça crée des liens quand même, euh, mais c'est à peu près tout ce qu'on a en commun. Bon. Et Durkheim, euh, quand je travaillais sur l'école, j'ai eu... Deux expériences. D'abord, la lecture de Durkheim qui m'a convaincu que je ne comprenais pas le fonctionnement de l'école française si je ne comprenais pas le fait qu'elle est le produit de l'Église. Ça a l'air tout bête, mais le cœur du système scolaire, c'est un système de croyances de type de type religieux. J'y reviendrai. Ma seconde expérience qui fait que j'ai que développé cette thèse de l'institution, c'est qu'à une période de ma vie, il y a environ 12 ans, j'ai été chargé par un ministre de l'éducation de gauche de réformer une partie du système scolaire, à savoir le collège l'école moyenne, l'école dans laquelle les élèves vont entre 12 et 15 ans ou 16 ans. Et j'ai donc passé beaucoup de temps à discuter avec les syndicats bon, d'enseignants. Et je croyais que mes discussions avec les syndicats d'enseignants seraient des discussions de bargaining, de marchandage. Pas du tout. Je n'ai eu que des discussions théologiques. Et je croyais que j'avais affaire à des syndicats, j'avais affaire à des curés, à des gens qui avaient des raisonnements symboliques, très peu de raisonnements pratiques. Je, vous allez comprendre pourquoi. Et donc je me suis dit cette histoire là me prouve que dans nos têtes, alors je dis bien dans nos têtes françaises. Je, je ferai allusion à d'autres systèmes. Mais dans nos têtes françaises, républicaines, au fond, il y a toute une sorte d'imaginaire institutionnel. Et cet imaginaire-là est en train de se heurter à l'évolution réelle de l'école qui, qui, qui est vécue comme un déclin. 99% des livres qui sortent sur l'école disent qu'elle est fichue, que ça marche pas, que c'est la crise que c'est nul, que le niveau des élèves est lamentable, que le monde s'en va. Bon. Et donc, je me suis demandé pourquoi alors que l'école est si puissante, qu'elle est si au fond importante, pourquoi on ne parvient pas à se défaire de l'idée qu'elle est prise dans un processus de déclin irrépressible. Je ne sais pas ce qu'il en est en Espagne. Mais en France, 95% des gens vous disent c'était mieux avant. Avant. Un avant. Bon. Mais c'était mieux avant. Ce qui veut dire, que ça se défait, ça se décompose. Alors, je vais parler deux minutes de l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'Église pour un sociologue L'Église pour un sociologue, c'est une machine à fabriquer des chrétiens. Que ma, ma définition n'a rien d'anticlérical. L'Église est une machine à fabriquer des chrétiens et l'Église a fabriqué un programme, je, je, je dis le mot programme vraiment dans le sens de l'ordinateur, c'est-à-dire une technique de fabrication des chrétiens qui est extrêmement élaborée intelligente et forte, et qu'on peut définir de la manière suivante. Elle suppose d'abord que vous définissiez des principes sacrés, incontestables. Par exemple, Dieu a créé le monde, il y a les, le bien et le mal, le sacré et le profane, enfin un certain nombre de dogmes non contestables, et, pardonnez-moi de faire le sociologue, de dogmes hors du monde, de dogmes qui sont dans un monde au-dessus du monde. Bon, ce qui est le propre, évidemment, de la religion. Deuxièmement, pour transmettre ce dogme, on fait appel à des professionnels dont on postule qu'ils ont la vocation, c'est-à-dire qu'ils vont avoir la capacité d'incarner ce dogme. Par exemple, si je suis catholique, je considère que quand le prêtre parle en chair, ça n'est pas un individu qui parle, c'est quelqu'un quelqu qui parle parce que Dieu lui dit ce qu'il a à dire. Autrement dit, mais c'est très important, quand j'obéis au prêtre, ce n'est pas au prêtre que j'obéis. J'obéis à ce que le prêtre représente. Et le prêtre représente Dieu. Pour un croyant, c'est comme ça. D'ailleurs, ça permet des choses très intéressantes. Je peux penser que l'individu prêtre est quelqu'un d'assez médiocre, mais que quand il dit la messe, il n'est plus médiocre, il est l'incarnation de la parole divine. D'ailleurs, pendant longtemps, il parlait une langue que je ne comprenais pas. Il parlait latin. Bon. Troisièmement, troisième moment de l'échafaudage, je suppose que ce travail de socialisation doit se dérouler ce travail de socialisation doit se dérouler à l'abri du monde. Il doit se dérouler dans un sanctuaire c'est-à-dire dans un endroit qui est protégé des désordres et des passions. Pourquoi on trouve, même si on n'est pas croyant, que les églises ont du charme Parce que ce sont des endroits où on sait qu'il n'y a pas les désordres du monde. En particulier, pour dire des choses, puisqu'il n'y a ici que des grandes personnes, il n'y a ni sexe ni argent. Donc, on est à l'intérieur d'un sanctuaire. Dernier élément, il y a une conception du sujet très particulière dans ce modèle. Et cette conception du sujet, je trouve que c'est le philosophe Blaise Pascal qui en donne la meilleure illustration. C'est l'idée qu'on accède à la foi, c'est-à-dire on devient chrétien, en se soumettant à une discipline universelle. Pascal avait une très jolie formule quand il a décidé de, de devenir chrétien, et cette formule n'est pas une plaisanterie. Pascal disait, priez et abétissez vous la foi viendra par surcroît. Ce qui est, un, si j'étais sociologue, je dirais, c'est la définition de l'habitus. C'est-à-dire, je me soumets à une discipline et à force, elle devient l'expression de ma personnalité. Bon. Vous avez donc un système fixé par l'Église, des dogmes, des hommes de foi, un sanctuaire, des disciplines, et plus je me soumets à la discipline, plus je deviens libre du point de vue de ce mécanisme. C'est évidemment l'Église qui a inventé l'école, c'est évidemment l'Église qui a inventé l'hôpital, et si vous êtes sociologue, d'ailleurs, vous trouvez que dans le modèle de la relation médicale tel qu'il a été défini par le sociologue américain Talcott Parsons, vous avez exactement le même modèle. Le malade obéit au médecin qui incarne la science, et quand le malade obéit au médecin, il a une chance d'être guéri. Bon, c'est un peu magique, mais ça marche. Mais ça marche. Ce qui caractérise l'histoire de ma société, qui est de l'autre côté à trace dans ce Pyrénées, ça fait de l'autre côté des Pyrénées, c'est que la France a fait une chose tout à fait étonnante. Elle a combattu l'Église pour installer à la place du chrétien. Un autre type de sujet qui s'appelle le républicain, le citoyen, l'homme moderne, l'homme qui croit à la raison, au progrès, à l'esprit critique, à la science, mais que la technique de fabrication du citoyen qui a été utilisée par l'école républicaine est exactement la technique de l'Église. On a pris le programme institutionnel de l'Église et on l'a transférés dans l'école républicaine pour combattre l'Église d'ailleurs. Ce qui fait que Durkheim avait une très jolie formule, il disait, le maître d'école et le prêtre sont aussi sacrés l'un que l'autre. Bon. Et donc, si je veux décrire l'école républicaine, l'école que tous les enseignants de France ont dans la tête, comme une sorte de roman, Identitaire, de roman national, un peu comme. Euh, je ne vais pas parler des Catalans, mais on va dire. Un peu comme tous les Occitans pensent qu'il y avait l'Occitanie, Simon de Montfort. Et voilà. Une sorte de roman identitaire. Eh bien, vous êtes dans un système euh, que je peux parfaitement définir. L'école postule un certain nombre de principes et de valeurs dont on peut dire que tout en étant athées, ils sont parfaitement sacrés. C'est l'école de la nation. Et la nation, à la fin des années 1880, ce n'est pas du tout, du tout une chose dont on débat dans un débat public organisé par un ministre d'extrême droite. C'est une conviction totale. C'est l'école de la raison. Et vous savez que tout. Que, que si Dieu a donné un petit morceau d'âme à tous les croyants, les Lumières ont donné un petit morceau de raison à tous les êtres humains. Quand vous, Descartes dit euh, La raison est la chose la mieux partagée du monde, ce qui est exactement le fait que, que, que dans le Nouveau Testament, on affirme, et c'est une chose très admirable d'ailleurs, que tous les hommes ont une part de divin en eux. C'est exactement le même principe. C'est l'école du progrès. Il y a un récit de salut. Cette école rendra le monde meilleur. Elle rendra les hommes meilleurs. Et donc quand l'école écrit liberté, égalité, fraternité, progrès, tout ce qu'on voudra, elle, est dans un... elle a le sentiment que les principes auxquels elle en appelle se sont homogènes et se renforcent mutuellement. Plus nous serons égaux, plus nous serons libres. Plus nous serons libres, plus nous serons fraternels. Plus nous serons libres, plus nous serons raisonnables. Plus nous serons raisonnables, plus euh, nous irons vers le progrès. Victor Hugo peut dire quand on ouvre une école, on ferme une prison. C'est un progrès moral. On va faire. Et ce sont des principes tout aussi incontestable que les principes religieux. Et là, il faut être d'ailleurs, pour les sociologues qui sont là, très dur le sacré n'est pas nécessairement religieux. Il y a du sacré religieux, il y a du sacré non religieux, mais croyez-moi, c'est aussi sacré. Bon. L'instituteur, le maître d'école, qu'est-ce qu'on attend de lui On attend de lui, lui jusqu'aux années 1960-70, qu'il ait la vocation. C'est-à-dire qu'il incarne la présence des valeurs de la République. On n'attend pas du maître qu'il soit un grand pédagogue. On n'attend pas du maître qu'il soit un grand savant. On attend du maître qu'il représente les valeurs de la République. Quand j'étais enfant, il y a très 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 longtemps, euh, mon maître d'école m'avait. Euh, un jour, je devais faire euh, du chahut au fond de la classe. J'avais une dizaine d'années. Mon maître d'école m'avait dit Si tu ne me respectes pas en tant que personne, respecte ce que je représente. Eh bien, aussi étrange que ça puisse paraître, cette phrase m'avait semblé évidente. Il était évident à mes yeux. Que ce maître d'école pour lequel je n'avais pas une grande estime, il incarnait, je ne sais pas trop quoi, mais certainement quelque chose comme la nation et la raison. D'abord, il parlait toujours de la France et il ne faisait jamais de faute d'orthographe, ce qui est quand même extrêmement impressionnant. Euh... Bon. En tout cas, j'avais vraiment le sentiment, je ne plaisante pas, que ce n'est pas à lui que j'obéissais mais que c'était à ce qu'il représentait. Si si on est sociologue, on sait comment ça s'appelle, ça s'appelle l'autorité charismatique. Il avait du charisme. Pas du charme, pas du charme, du charisme, c'est-à-dire il représentait des choses sacrées. Donc on a un maître qui a une autorité dans ce système parce qu'il incarne les valeurs de la République. D'ailleurs, ce sont des maîtres militants engagé, vertueux, austère, enfin, qui ressemble beaucoup beaucoup à des curés. Avec un avantage considérable sur les curés, le mariage. Et donc la reproduction de l'espèce. Non mais, je vous signale d'ailleurs que si les débats sur l'Église vous intéressent, c'est exactement le problème qui se pose aujourd'hui. À, 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 à travers le célibat des prêtres. Troisième élément, l'école républicaine française est un sanctuaire tout aussi solide que l'Église. Les parents n'ont pas le droit d'y aller. Les entreprises n'ont pas le droit d'y aller. Les élus locaux n'ont pas le droit d'y aller. Et dès que vous avez en France des réformes qui voudraient que les parents, les entreprises entrent dans l'école, un million de gens dans la rue disent, on va vendre l'école au capitalisme, on va soumettre l'école à des intérêts privés, on va la désanctuariser. D'ailleurs, ce sanctuaire, dans le cas français, est quand même très prononcé. Je signale qu'il a fallu attendre les années 1970 pour qu'on qu cesse de séparer les sexes. Cette école du progrès était quand même une école qui mettait les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Moi, moi je n'ai jamais vu de filles à l'école, jusqu'à l'université. C'était quand même. Bon. Et puis, il y avait une sorte de fiction, de fiction théologique, qui avait été, été formu, bien formulée par un philosophe qui a joué un grand rôle en France dans, dans la, la production du modèle laïque, qui, qui s'appelait Alain. Et Alain avait, avait, établi, avait dit au fond, dans l'enfant, il y a deux choses. Il y a une chose sacrée, c'est l'élève, l'être de raison, et une chose profane, moyennement convenable, qui est l'enfant, être de déraison, de passion, de pulsion. L'école ne s'adresse qu'à l'élève. Et vous retrouvez de façon étonnante le clivage entre l'âme et le corps. Au fond, le rêve de l'école, c'est qu'elle n'ait que des élèves et que les enfants restent devant la porte. Le rêve de l'Église, c'est qu'elle n'ait que des âmes et que les corps restent devant la porte. Vous avez exactement cette même dualité. Et puis, vous avez le dernier élément, évidemment le même principe de l'obéissance libératrice. Ce principe a été très bien décrit par Foucault, mais moi je ne suis pas d'accord avec Foucault sur ce plan-là, euh, parce que Foucault annule le principe de la foi, de la croyance. Or, ça marche, ça marche. C'est-à-dire... Quand je me soumets à la discipline scolaire, j'élève mon esprit vers la raison, vers la science, et tout un tas d'exercices de discipline vont faire qu'à la fin, l'élève pourra critiquer le système scolaire. Ce qui est un idéal de toute école, de même que le véritable croyant peut critiquer l'Église. Mais il critique l'Église dans l'Église. Le véritable élève critique l'élève critique l'école dans l'école. Donc vous avez une, un véritable déplacement d'un modèle que j'appelle un programme institutionnel parce que vous voyez bien qu'il y a des étages, que ça fait système, que c'est très cohérent et au fond ça renvoie à une conception de la vie sociale qui est une conception de la vie sociale en termes d'intégration. Le grand problème c'est que les subjectivités des individus et le fonctionnement de la société s'harmonise. Il faut faire que l'école mette boucle le, le, les subjectivités personnelles et le fonctionnement d'une société moderne, démocratique, etc., etc. Donc, on a un système très cohérent et un système très optimiste. C'est pour ça que, là encore, une, cette distance est garde foucault, je veux dire. On y croit. Et ça a marché. Et ça a marché. Je veux dire qu'il est peu contestable que ce système a fabriqué un régime politique, que ce système a fabriqué une nation, que les gens ne parlaient pas français, qui se sont mis à parler français, que ce système a fabriqué un peu d'égalité sociale, un peu, pas beaucoup, mais un peu d'égalité sociale, que d'une certaine façon, c'est un grand succès et qu'il a eu surtout une, une armature symbolique extrêmement forte. Je fais l'hypothèse que ce qui se passe aujourd'hui, probablement du fait même que l'école est devenue une machine de plus en plus puissante, de plus en plus hégémonique, de plus en plus présente, ce programme se défait. Ce programme n'existe plus que dans l'imaginaire. Il n'organise plus la pratique. De l'école. Il ne fonctionne plus dans l'école. Je prends un exemple très simple. Si vous imaginez un élève, je ne sais pas ici en Catalogne, mais un élève français, qu'entendrait un maître d'école lui dire Si tu ne m'obéis pas, si tu ne me respectes pas, respecte ce que je représente, je crois que l'élève appelle le, le médecin pour dire que ce pro professeur euh, entend des voix. Bon, d'ailleurs. Voilà, je prends un indicateur extrêmement simple, ça ne marche plus. Alors pourquoi ça ne marche plus Beaucoup de gens en France, je pense qu'il y a les mêmes en Espagne, disent ça ne marche plus parce que l'institution a été attaquée par des forces hostiles que vous connaissez. Le néolibéralisme, l'ultralibéralisme, le capitalisme, l'Europe. C'est-à-dire, au fond, les marchands ont... Les marchandes sont rentrées dans le temple. c'est un récit qui n'est pas absurde, mais c'est un récit auquel, pour l'essentiel, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que je crois que malheureusement c'est pour ça d'ailleurs que je le signale au passage que, que aujourd'hui, une grande partie de la gauche en France est très conservatrice sur le plan scolaire, parce qu'elle dit je défends le temple contre les forces de l'argent. Mais je crois que ce récit est faux, ce qui me rend très impopulaire euh, d'une certaine manière, parce que pour l'essentiel, il me semble que le déclin de ce programme institutionnel est lié à des mécanismes internes au monde social et au monde de l'école. D'abord, et là ce n'est pas un argument, je suis désolé, mais c'est une sorte de... Récits comme ça, un peu convenus chez les sociologues, je crois que la modernité, c'est le désenchantement du monde. Et que d'une certaine façon, il y a de moins en moins de légitimité qui s'appuie sur des principes sacrés. Bon. Je vais en donner un certain nombre d'exemples. Aujourd'hui, dire je suis l'école de la nation, c'est un problème. Parce que vous savez, en Catalogne, en Espagne, en France, que si vous dites ça, on vous dit, et de quelle nation tu parles Et quelle est la place des immigrés dans la nation Et quelle est la place des musulmans dans la nation Et quelle est la place de l'Europe dans la nation Et quelle est la place des Basques dans la nation et des Catalans dans la nation Donc, compliqué de dire c'est l'école de la nation. Vous dites, cette école, elle est de plus en plus l'école du capital humain. C'est-à-dire, de plus en plus on développe un principe de légitimité qui est quand même étrange, qui dit, c'est plus sacré mais c'est utile, l'école. Il faut aller à l'école. Si vous demandez à des enfants pourquoi ils vont à l'école, je ne sais pas comment c'est ici, mais en France, c'est très simple. Jusqu'à 10 ans, ils vous disent, c'est bien d'aller à l'école parce qu'on est plus grand quand on sait lire. Ça, c'est bien, une belle réponse. Ou parce que ma maman, y tient. Et après, les gamins, tous les élèves. Riche ou pauvre, tous vous disent, je vais à l'école parce que si j'y vais pas, j'aurai pas de travail demain. Plus personne vous dit, la France, la nation, le progrès, la raison, euh, soyons sérieux, d'une certaine manière. Troisièmement, l'école, aujourd'hui c'est quand même une drôle d'affaire, n'a plus le monopole de la grande culture. Je l'ai l'école républicaine française, elle a enlevé le monopole de la grande culture à l'Église. Sauf que maintenant, les médias sont en train d'enlever à l'école le monopole de la grande culture. Et ça, c'est quand même une donnée tout à fait à laquelle il faut réfléchir. C'est qu'un élève aujourd'hui, on, on peut dire que c'est mal, on peut dire que c'est scandaleux, on peut tout dire, passe plus de temps devant la télévision ou devant son écran d'ordinateur que devant l'école. J'ajoute que les enquêtes montrent qu'un enseignant passe plus de temps devant la télévision. Que devant ses élèves et donc c'est pas la peine de nous raconter des blagues et au fond dans les médias ben vous avez le pire et le meilleur mais vous avez l'excitant vous avez au fond si je voulais parler de matin, les médias ont un effet ils rendent l'école triste ils rendent l'école scolaire quand j'étais enfant moi un cours de géographie ou d'histoire c'était assez poétique c'était poétique parce que si je voulais savoir quelque chose sur l'Himalaya, ben j'avais le choix entre l'école ou l'école ou l'école. Aujourd'hui, n'importe quel gamin sait beaucoup plus de choses sur l'Himalaya par les dizaines de reportages qu'il aura vus à la télévision que par le cours quand même extrêmement ennuyeux que lui fait le professeur sur les plissements des plaques tectoniques. Euh, bon, voilà. C'est comme ça, on peut le regretter. Je signale d'ailleurs que l'école a vis-à-vis -vis de la culture des médias la même réaction qu'avait l'Église au début du XXe siècle contre la culture de l'école laïque. Disant, c'est vulgaire, etc. Dernier point, évidemment, l'école est dominée par la culture critique qu'elle a créée. Par exemple, aujourd'hui, il n'y a, a plus d'accord sur la grande culture, sur ce que c'est que la grande culture. Quand vous regardez les textes... En France, jusqu'en 1950, que vous soyez anarchiste, communiste, gaulliste, catholique, républicain, franc-maçon, vous êtes tous d'accord sur le fait que Molière, Victor Hugo, Racine, Jean-Jacques Rousseau, c'est la grande culture incontestable. Aujourd'hui, on vous dit que c'est de la culture de classe. Euh, c'est de la culture genrée. Ça veut dire euh, macho. Enfin euh, bon. Et, et au fond, l'école aujourd'hui, de mon point de vue, quand on regarde les débats, ne croit plus qu'elle va rendre les hommes meilleurs. Elle n'y croit plus. L'utopie s'est défaite. On pense qu'on peut faire une école meilleure, une société un peu meilleure, mais qu'on va rendre les hommes meilleurs. Je le trouve plus écrit vraiment nulle part. Donc, au fond l'imaginaire sacré qui était au-dessus de l'institution ne tient plus. Conséquence, évidemment, les maîtres d'école ne sont plus définis par une vocation de type catholique où le maître se sacrifie, se voue, se donne à sa vocation. Le maître a une vocation un peu plus triste. Il a une vocation protestante. C'est-à-dire qu'il pense que... Il serait bien qu'il s'épanouisse dans son métier, ce qui est très honorable. Mais par exemple, aujourd'hui, on ne demandera pas à un futur instituteur Est-ce que tu crois à la République, à la Nation, à la vertu, à la culture On lui dira Est-ce que tu es capable de supporter des enfants six heures par jour Ce qui est une très bonne question, mais ce n'est plus du tout la même question. Évidemment, le métier est de plus en plus professionnel, de plus en plus technique, la légitimité du maître n'est plus une légitimité sacrée, et l'école doit fonder sa légitimité sur des principes bien plus difficiles, démontrer qu'elle est utile, démontrer qu'elle sert à quelque chose, alors que quand vous êtes dans le programme institutionnel, ça va de soi. Et d'ailleurs, dans toutes les enquêtes internationales que nous avons sur les enseignants aujourd'hui dans les pays comparables de l'OCDE, tous les enseignants disent on est de plus en plus méprisé par la société. Ce qui est faux. Quand on fait des enquêtes sur le prestige des professions, les enseignants ont une profession jugée prestigieuse. Mais évidemment, ce dont les enseignants souffrent, c'est que leur prestige n'est plus cette espèce de prestige. Euh, un peu sacralisé. C'est simplement des gens qui disent oui c'est un métier difficile, intéressant, honorable, qualifié, mais c'est plus... Ils, ils sont la France, ils sont le salut, ils sont la raison, ils sont la culture. D'autant plus que quand même les succès de l'éducation scolaire font que les maîtres ne peuvent plus agiter leur... singularité culturelle. Il y a beaucoup de gens qui ont autant de diplômes que les enseignants. Je veux dire, aujourd'hui, l'instituteur du quartier, ce n'est pas un savant dans un monde d'ignorants. Alors que pendant longtemps, il était un savant dans un monde d'ignorants. Donc, il y a un sentiment de chute qui se crée. Mais la très grande, le très grand changement, évidemment, c'est la massification scolaire. La massification scolaire, c'est ce qui fait que l'école était un ordre régulier, une sorte de couvent, qui ne gardait que les croyants. Et les, les murs du couvent, avec la massification, ont explosé. Il n'y a plus véritablement de sanctuaire scolaire. D'abord, avec la massification, les, les problèmes sociaux sont rentrés dans l'école. Alors je voudrais bien m'expliquer là-dessus. Des problèmes sociaux, il y en a toujours eu. Toujours eu. Parfois pire qu'aujourd'hui, parfois moins pire. Mais l'école, en France, et a fortiori en Espagne jusque dans les années 60, peut se débarrasser de ses problèmes sociaux. C'est-à-dire qu'elle dit aux élèves âgés de 12 ou 14 ans, allez voir ailleurs très rapidement. Aujourd'hui, tout le monde est scolarisé jusqu'à 20 ans. Enfin, je dis tout le monde. En France, 80% d'une classe d'âge est toujours à l'école à 20 ans. Donc vous avez l'arrivée des problèmes sociaux, des immigrés, des pauvres, des pas intelligents, enfin, de tout ce qu'on n'aime pas à l'école. C'est aussi l'arrivée, excusez-moi, d'être un peu vulgaire. C'est aussi l'arrivée de l'adolescence à l'école. Et quand on a mis de la mixité à l'école, eh bien, on a fait rentrer à l'école des préoccupations. Je vais dire les choses comme ça, qui traditionnellement existaient, c'est pour ça d'ailleurs que l'espèce humaine s'est reproduite de manière assez régulière, mais des préoccupations qui n'avaient pas lieu d'être dans l'école. Et moi j'ai fait des enquêtes, c'est les collégiens. Les collégiens en France, c'est-à-dire entre 12 et 16 ans, adorent le collège. Ils adorent le collège. La seule chose qui les ennuie, c'est les cours. Et qu'ils soient bons ou pas bons élèves. Et c'est normal. Ils adorent les copains, les copines, les amours, les amitiés, les bagarres, les passions, les histoires. Et d'ailleurs, vos propres enfants, quand ils sortent de l'école, qu'est-ce qu'ils font Ils téléphonent à leurs copains ou à leurs copines d'école pour poursuivre pendant trois heures la conversation qu'ils ont commencée le matin, etc. Bon. Donc, l'école, il y a une vie juvénile. On ne sait pas quoi en faire. Vraiment, on ne sait pas quoi en faire. Qu'est-ce qui a envahi l'école aussi C'est euh, donc, ce qui a envahi l'école, fondamentalement, c'est une logique utilitariste. Si tout le monde va à l'école, ça veut dire que seule l'école est habilitée à donner des qualifications qui permettront aux gens de trouver une position dans la société. Et donc, alors qu'une école fermée, Pouvez vivre dans l'illusion d'une certaine inutilité des savoirs scolaires, on est dominé par l'utilité des savoirs scolaires. Les élèves travaillent dans les matières rentables. Les parents choisissent les filières rentables, les établissements rentables. Et comme tous les parents sont en concurrence, eh bien, qu'elle soit publique ou privée, l'école fonctionne comme un marché. Ça n'est pas du tout le modèle du marché qui a envahi l'école. C'est que dès lors que tout le monde est en concurrence à l'école, l'école fonctionne sur un système de marché public, privé. Je vais chercher les utilités maximum. Et c'est normal. Je ne comprends pas qu'on accuse les parents d'être des consommateurs scolaires, car je ne vois pas comment un bon parent peut être autre chose qu'un consommateur soucieux de donner à ses enfants la formation qui lui permettra d'avoir demain le meilleur emploi possible. Je ne comprends pas comment il pourrait en être autrement. Alors ceci, évidemment, a de très très gros... Euh, à de très très gros inconvénients. En particulier, le monde scolaire devient un monde qui oppose les vainqueurs aux vaincus. Puisque c'est une sorte de vaste match de. Vaste, vaste compétition sportive. Et les vaincus, en général, très normalement, soit ils deviennent violents, soit ils ne veulent plus y aller. Pourquoi irais-je à l'école acquérir des diplômes qui ne servent à rien Euh, et, et je signale d'ailleurs que dans tous les pays comparables, le taux d'absentéisme scolaire monte. méthodiquement, puisque si je ne vais pas avoir l'utilité que j'attends des études, pourquoi? pourquoi y aller? donc, vous êtes là dans un, dans un système qui fait que, d'une certaine façon, euh, le, le, le rapport au fond un peu sacralisé et gratuit qu'il y avait aux études est remplacé par un rapport utilitaire. Utilitaire dans ma bouche, pas c'est pas une insulte, c'est une observation. Si vous dites, ce qui est le cas en France, la sélection se fait sur les mathématiques, eh bien tout le monde essaye d'être bon en mathématiques. Si vous dites euh, euh, le russe est une langue qui vous permet d'être dans un meilleur établissement que l'anglais, on fait du russe. Et quand tout le monde a compris que c'était du russe, vous dites Ah, c'est plus le russe, c'est le japonais. Hop, et vous changez. Et d'ailleurs, les enseignants que j'aime bien par ailleurs, en général, en France en tout cas, dénoncent beaucoup ces pratiques chez les parents d'élèves, mais eux-mêmes en tant que parents d'élèves, sont des consommateurs d'écoles absolument virtuoses. Et c'est normal, je le répète, puisque nous sommes dans des sociétés où l'accès à des positions sociales passe de plus en plus, voire quasi essentiellement, par l'école qui devient une machine à distribuer les individus dans la hiérarchie sociale. Et on voudrait que ça ait du charme. Non, c'est d'une brutalité. Épouvantable, c'est un très sale boulot, mais ça n'a rien à voir évidemment avec le sanctuaire protégé du monde. Ça introduit, cette logique-là, introduit évidemment euh, un grand changement dans l'organisation scolaire. C'est que les divers segments du système scolaire sont en concurrence, donc les établissements de plus en plus autonomes. Le pilotage du système n'est plus fait comme à l'Église, par des règles générales qui s'appliquent à chaque niveau du système, avec des inspecteurs qui s'assurent, qui sont des sortes d'évêques, qui s'assurent que tout le monde respecte les règles, on fait du benchmarking. On fait du benchmarking. Il y a une révolution extraordinaire dans le système scolaire. La plus grande révolution des 50 de dernières années, à mon avis, c'est PISA. PISA, ça a tout changé ça a tout changé. On peut dire les Finlandais sont bons, les Espagnols c'est pas terrible, les Français ont plus d'inégalités scolaires que d'inégalités sociales, les Canadiens c'est pas si mal, on le sait, on peut dire ce lycée, voilà la valeur ajoutée qu'il crée, ce lycée, voilà la valeur ajoutée qu'il crée, comment en serait-il autrement Et ceux qui en appellent au voile d'ignorance, on ne sait pas, sont en général... Ceux qui veulent garder le monopole de l'information. Je le dis très brutalement. Hein. C'est comme les médecins qui veulent garder le monopole de l'information sur la qualité de leurs collègues. Mais bon, je crois qu'on a changé de registre. Alors c'est bien, c'est mal, j'en sais rien. On était dans un système Weberien où des règles universelles appliquées par des fonctionnaires vertueux. Etc., euh, descendez sur la tête des enseignants, on est dans un système où chaque établissement est comme un élément d'un système productif qui doit démontrer qu'il est efficace, qu'il est rentable, etc. Il n'y a plus de sanctuaire du tout. Et quand vous raisonnez dans l'enseignement supérieur, vous vous rendez compte que, évidemment, non seulement les universités sont dans ce jeu, mais que les systèmes universitaires nationaux sont dans ce jeu. Aujourd'hui, on commence à savoir combien, euh, euh, le, dans, dans tous les systèmes de circulation d'étudiants, quelles sont les universités qui attirent, quelles sont les universités qui n'attirent pas. Voilà. Je ne crois pas que ça soit... Un pro... Comment dirais-je C'est un fonctionnement libéral, mais je ne crois pas qu'il procède d'un projet libéral. Je crois qu'il est le résultat mécanique d'une massification qui a complètement fait exploser les murs d'un sanctuaire évidemment euh, pour les enseignants euh, ça change ça change tout ça change tout euh, parce que je rendais compte à ma conscience ou je rendais compte à mon inspecteur et maintenant je rends compte aux parents, aux maires, à la région, euh, aux producteurs de statistiques, je suis devenu quelqu'un de profane. Je ne suis plus quelqu'un de sacré. Et c'est terriblement douloureux pour les enseignants. Le dernier élément, évidemment, qui a changé, c'est que, au fond, plus personne ne pense que euh, l'élève et l'enfant doivent être séparés. De ce point de vue-là, je crois que dewey, le philosophe américain, a gagné la bataille contre durkheim. c'est à dire que on pense quand même de plus en plus que l'enfant doit être en activité dans l'acquisition des savoirs et qu'il n'est pas cette espèce de croyant qui se soumet en attendant d'être libéré. donc, j'ai envie de dire on on est dans une culture du sujet. On est dans une culture qui est l'enfant doit être actif, l'élève doit être actif. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il en est en Catalogne, mais nous, on est remplis d'un vocabulaire sur les projets, sur les contrats, sur euh, euh, les, les, les projets. Il faut que l'élève s'engage, etc. Donc, au fond, là aussi, on est un peu protestant. C'est-à-dire qu'on pense que le salut vient de l'activité. Du fidèle et pas de sa soumission. Alors que dans le modèle républicain ou catholique classique, c'est de la soumission que naît le salut. Là, on est plutôt bon. Vous comprenez parfaitement pourquoi tout ceci est une crise, est vécu comme une crise considérable. Et pourquoi je vous disais que quand je discutais avec les enseignants, j'avais le sentiment de faire de la théologie, parce que tout, tout le monde vous dit, mais vous vous rendez pas compte. J'avais de l'autorité. J'ai plus d'autorité. Mon autorité, c'est un problème. Les gens vous disent, j'avais des élèves disposés à jouer le jeu. J'ai des élèves qui attendent que je les motive pour jouer le jeu. Et pour les motiver, il faut que je me motive aussi. Et ça, c'est crevant. Ça, c'est épuisant. Et je ne plaisante pas, parce que je m'étais fait nommer dans un collège. J'étais épuisé par mon travail consistant à essayer de dire aux élèves que ce que j'allais faire était intéressant alors que j'aurais aimé qu'ils qu disent d'emblée que c'est intéressant mais ben non il fallait que bon euh, c'est euh, une crise extrêmement profonde euh, qui fait que qui ne repose pas sur rien qui repose sur le fait que le métier est de plus en plus difficile alors je crois qu'on est, il faut que j'accélère. Je crois qu'on est dans une situation où au fond euh, mon hypothèse, c'est qu'on a vraiment, on est vraiment passé d'un modèle à un autre, et que dans le cas de la France en tout cas, on a beaucoup de mal à se défaire de l'imaginaire de l'ancien modèle, mais dans la réalité, ce qu'on appelle la crise de l'école, c'est pas la crise de l'école, c'est que l'école est devenue autre chose de la même manière qu'on ne pourrait pas dire que la grande industrie, c'est la crise de l'artisanat. Hein, voilà, c'est à peu près euh, du même ordre. C'est autre chose. Et ça suppose évidemment euh, un vrai travail politique pour refonder une institution, mais qui ne, sera pas, qui ne peut pas être le programme institutionnel. Ça, c'est une position intégriste, d'une certaine façon mais une institution qui ne peut être qu'une institution démocratique modeste. En tout cas, de mon point de vue, une institution qui ressemblera plus à une communauté démocratique et politique qu'à une église, ce qui était le modèle précédent. Alors, évidemment, un des problèmes, c'est que on sait que les finalités de l'école sont à la fois hétérogènes et antagoniques on sait qu'on attend de l'école des choses contradictoires. Par exemple, nous voulons tous que l'école donne à tous les enfants du même pays une culture commune. On le veut tous. Mais on veut aussi que l'école sélectionne les meilleurs. Parce que c'est bon pour l'économie et que c'est juste de reconnaître le mérite. On veut que tous les élèves aient une place, mais on veut aussi que ces élèves soient autonomes. Et quand vous discutez sur l'école, vous vous rendez compte que nous voulons tout et le contraire. Nous voulons tout et nous avons raison de tout vouloir et le contraire, parce que nous savons, on est un peu devenu Nietzsche au fond. On sait bien que on désire des choses incompatibles, ce que Weber appelait la guerre des dieux. Je veux de l'égalité, mais je veux aussi du mérite. Je veux que, les, que la culture soit gratuite, mais que les élèves aient du travail à la sortie. Voilà, moi, universitaire, je veux que mes élèves se passionnent pour l'œuvre de Max Weber, mais qu'à la fin, ils aient tous un travail. Or, je pense que fort peu d'entre eux auront un travail consistant à commenter l'œuvre de Max Weber. Alors, comment je fais Voilà. Et on est tous dans ce genre d'affaires. Je crois que, évidemment, la bonne école serait, de ce point de vue-là, une école qui combine, qui arbitre, et certainement plus une église qui a une vocation à réunifier le monde et les principes. Alors ça pose évidemment euh, un certain nombre de questions. Ça pose euh, une question politique essentielle. Alors je ne sais pas ce que vaut cette question en... en ici, mais ça pose une question qu'on avait fini par ne plus se poser, c'est à qui appartient l'école Si vous posez la question en France à des enseignants, pour l'essentiel, elle est à eux. Et ils ont raison de penser qu'elle est à eux parce que les hommes politiques ont tellement peur de s'en occuper qu'en fait, ils leur confient l'école. À qui peut-elle appartenir C'est très compliqué. Si vous dites qu'elle appartient au patron, c'est catastrophique. Si vous dites qu'elle appartient aux parents, c'est catastrophique. Si vous dites qu'elle appartient aux enseignants, c'est catastrophique. Donc il n'y a, je crois, qu'une solution, c'est de trouver un espace politique. Or, cet espace politique pose un problème, c'est que les gens qui ont échoué à l'école ne se sentent pas légitimes pour entrer dans un débat sur l'école. Ce qui fait que les débats sur l'école, en France, mais probablement en Catalogne et ailleurs, sont des débats... Entre gens qui ont gagné à l'école. Quand j'ai échoué à l'école, je n'ai pas le droit, je ne me donne pas le droit de parler de l'école. Ce qui fait que vous avez un débat, grosso modo, de classe moyenne supérieure et dans lequel les, les autres catégories sociales, qui pourtant vont à l'école, ne peuvent pas entrer. Donc je crois qu'il y, y a un vrai débat à avoir sur ces arbitrages, ces finalités. Je, do je dois dire d'ailleurs que les pays dont aujourd'hui on vante les grands succès scolaires, partie des pays scandinaves, sont tous des pays qui, il y a une vingtaine d'années, ont réformé radicalement leur système scolaire. Au fond, ils gagnent parce qu'ils ne sont pas catholiques, pas républicains. Ils sont protestants tristes. Et donc, ils sont pragmatiques. Comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils se disent, bon, comment on peut se débrouiller pour faire une école qui marche Et quand vous dites aux enseignants, vous allez travailler autrement, ils ne vous disent pas, mais vous portez atteinte à ma dignité, Dieu ne m'a pas mis sur terre pour faire ça. Ils disent, oui, c'est un métier, ça se discute, etc. Et ce n'est pas des pays sans syndicats, croyez-moi. Donc je crois qu'il faut, il faut admettre que quand le monde n'est plus tenu par des églises, eh bien, il est tenu par des espaces démocratiques. Au fond, mon raisonnement est aussi vieux que, le, que les Lumières. Quand Dieu ne règne plus sur le monde, eh bien, il faut trouver des systèmes politiques qui l'organisent, parce que c'est quand même pas si mal. Bien, pour l'école, ça se passe avec un peu de retard, mais nous avons exactement le même problème. Dernière remarque, je crois que l'école s'en tirerait d'autant mieux aujourd'hui, que nous en, nous en attendrions un peu moins. Je suis très frappé de voir dans un pays comme la France, qu'il y a une véritable attente de salut collectif qui est adressée à l'école. Je veux que l'école rende les gens intelligents. Je veux que l'école fasse des citoyens éclairés. Je veux que l'école contribue à la santé de la population. Je veux évidemment que tous les élèves soient cultivés. Je veux qu'ils aient tous du travail et qu'on n'ait plus de chômage grâce à la formation. Et je veux enfin que nous entrions dans un système où il y ait plus d'inégalité sociale grâce à l'école. C'est ça qu'on dit toujours tous les matins comme une sorte de prière. Je crois que ça n'est pas sérieux. Je crois que ça n'est pas raisonnable. Je crois qu'il n'est pas raisonnable de confier à la seule école le rôle de distribuer les individus dans la structure sociale. Ça n'est ni raisonnable ni juste. Pourquoi l'école aurait seule la capacité de définir le mérite des individus il n'y a-t-il pas des qualités, des compétences que l'école ne reconnaît pas et qui existent pourtant Donc je crois qu'il faut des, des systèmes de formation non scolaires, en dehors de l'école, après l'école. Il n'y a pas de raison de demander tout ça à l'école. Je crois qu'il est bon qu'on veuille que les enfants soient intelligents. Dans ce cas, pourquoi confie-t-on la télévision à une sorte de médiocrité humiliante. Dans une société démocratique, on devrait avoir le droit de dire que les enfants ont le droit de regarder des programmes intelligents. On a renoncé. Euh, on est en train de renoncer à réduire les inégalités sociales. Je le signale. On est en train de dire, oui, il y a des gens très riches, des gens très pauvres, qu'est-ce que vous voulez y C'est l'économie. Et on fait croire que ça serait acceptable le jour où les enfants de pauvres auraient la chance d'aller dans des grandes écoles pour devenir riches à leur tour. C'est ça qu'on est en train de raconter. L'école permettra un jour à tous les enfants défavorisés d'avoir les mêmes chances de réussite que les autres. Il ne faut pas être grand sociologue pour savoir qu'on raconte des blagues. Car vos enfants sont favorisés et je n'imagine pas qu'aucun d'entre vous ait la courtoisie de dire à ses enfants, maintenant, tu as eu ton tour dans la réussite, tu vas laisser un peu de place aux autres. Silence, ou vous n'avez pas compris, ou vous êtes mal à l'aise. Euh. Donc, on raconte, des, on raconte des blagues. Je crois qu'après un siècle d'expansion scolaire, si je peux me permettre, il faut que l'on reformate une école qui soit un peu plus modeste qu'ils soit de meilleure qualité et qu'on ne continue pas, ayant perdu la capacité d'agir sur l'économie, sur un tas de secteurs, à faire comme si seule l'école avait cette capacité. Je comprends les enseignants qui disent qu'ils se sentent écrasés par les demandes des parents, par les demandes de la société. Il est vrai qu'on leur demande ce qu'ils ne peuvent pas faire. Donc je crois que ce modèle de l'institution est parti et qu'il faut que nous ayons la capacité de... On peut en avoir à la nostalgie. La nostalgie est un très bon sentiment. Tout le monde adore Schubert et les Beatles parce que c'est nostalgique. Mais on ne fait pas de l'action politique à partir de ça. Euh, donc il faut, je crois, véritablement admettre que nous avons changé de système et qu'il n'y a rien de pire que de changer véritablement de système tout en renonçant à le voir parce que on est un peu écrasé par l'imaginaire extrêmement lourd d'une école qui, dans la pratique, n'est plus. Donc, pour moi, il y a un, un gros enjeu là-dessus, un enjeu, un enjeu d'autant plus grand que, si je peux me permettre, la capacité de réformer nos systèmes scolaires n'a rien à voir avec les lois de la globalisation et de la mondialisation. Qu'il n'y a pas de loi mondiale qui demande qu'on fasse l'école enfantine de telle ou telle façon. Et que je suis très étonné de voir que, d'une certaine façon, quand nous avons des leviers d'action, on ne s'en saisit pas vraiment. Et on préfère raconter, comme ça, euh, des histoires un petit peu euh, pour nous consoler. Je vous remercie en vous priant de m'excuser d'avoir été si franco-français, mais. Après tout, si l'Italie est le monde du pape, euh, la France est le monde de l'école républicaine, et c'est comme ça. Ouais. Merci. Bé, moltíssimes gràcies a aquesta exposició generosa, clara, lúcida, plena d'ironia i plena de reptes, crec, per al públic que estem aquí, que ben segur que voleu participar en aquest espai de debat. Cobrim ara, farem un primer torn de preguntes, si us sembla. Agafem les paraules. Eh, I el professor Francesc Dubé farà les respostes ens ha deixat aplatanats de... impactats qui es llença amb alguna interrogant o alguna pregunta alguna suggerència amb tot el que ha sorgit sempre tenim moltes paraules eh? això en debats eh? Hi ha una per aquí. A veure, aixequeu el braç, si no, no us veig. Aquí. No sé si haig de parlar en català o en castellà, he pensat primer... Vale, si puc fer-ho en català, doncs ho faig en català. Eh, li, volia parlar, li volia demanar al professor Dubet, quan parla d'espais democràtics, es refereix a espais democràtics amb els alumnes? O sigui, a intentar aconseguir que la, nostra, que la nostra aula sigui més democràtica? O es refereix a espais democràtics amb els pares? O potser amb tothom? Eh, bàsicament això. Per allà n'hi ha un altre. Hola, mm, només si, si... Bé, agrair la, la conferència que realment ha estat molt interessant. Només si, si ens pogués fer dos aclariments o dues preguntes que em sorgeixen. Una seria, front a aquesta escola utilitarista, si mm, tornar a obrir l'escola al plaer i entrar en els temes més de subjectivitat, d'emocions, podria ser una via? I l'altra pregunta és, eh, quan heu dit que la massificació és el que ha fet esclatar aquest sistema antic, massificació entesa com tots els alumnes entren a l'escola, universalització de l'escola, quan totes les classes socials, tota l'adolescència... Perquè a vegades aquesta massificació l'hem llegida com a oportunitat, igualtat d'oportunitats, i en el seu discurs ha sigut com, com la palanca que, que llença l'antiga institució pels aires. No? I, bueno, a mi m'ha ressonat l'antic debat um, més l'oxe no? de quan els nens de 14 a 16 de la IFP van entrar als instituts també van saltar moltes palanques pels aires. No sé si, si volia dir això. N'hi ha una altra per aquí? Volia preguntar-li al professor Dubet si a part d'entendre l'escola del futur com una escola més modesta, amb menys pretensions, si té una visió d'aquesta escola del futur. No sé si serà fàcil respondre. De fet, són tres persones, quatre preguntes. Bon, je... euh, D'abord, je, je, je répondrai à votre question, mais je n'ai pas un esprit très utopique. Je ne suis pas du tout... Euh, je, je ne suis pas très porté à la rêverie en général. Euh, alors, pour, pour l'espace, pour, pour la démocratie, je crois qu'il faut bien comprendre que, que tout ça est, est quand même extrêmement compliqué. Alors, on peut raisonner au niveau du système. Bon, moi, je crois qu'au niveau du système, il euh, y a quand même, euh, je crois, à ce que... Le, je vais dire des choses très très bêtes, mais les parlements démocratiques se ressaisissent des questions scolaires. Euh, on s'est amusé avec un de mes collègues à regarder le temps que les, que les parlementaires consacraient aux problèmes d'éducation. C'est un temps ridicule. Ridicule euh, En réalité, ils votent le budget de l'éducation. Et, et considèrent qu'après... Euh, J'avais par exemple, moi, demandé que les, que les parlementaires fassent les programmes de l'école commune. Ils ont dit « non, 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 non c'est trop compliqué pour nous ». Donc on demande à des spécialistes de faire les programmes. Et les programmes faits par des spécialistes n'ont rien à voir... Avec ce que la nation démocratique devrait dire, c'est-à-dire voilà ce que nous voulons que tous les enfants de notre pays sachent. Ça, l'école de Jules Ferry et la Troisième République l'ont fait. Aujourd'hui, plus personne ne veut sur le stade. Donc il y a un problème quand même de démocratie. D'autre part, on sait que les bons systèmes scolaires, entre guillemets, les bons, c'est-à-dire les plus égalitaires au fond, sont des systèmes très centralisés, contrairement à ce qu'on imagine très centralisé au niveau national, avec une forte autonomie des établissements. Il faut que les établissements soient autonomes, autonomes c'est-à-dire et des capacités d'adaptation, mais centralisés parce qu'il faut que le résultat de leur action soit extrêmement bien contrôlé. C'est-à-dire, au fond, dire à l'établissement, voilà les objectifs, vous faites comme vous voulez, mais évidemment, on va voir si vous, si vous les atteignez. Donc vous donnez de la liberté d'une main et vous reprenez du contrôle de l'autre. Aujourd'hui, on est grosso modo dans un système très bureaucratique. Vous n'êtes pas autonome, mais vous faites ce que vous voulez. À peu près, système comme ça. Au niveau de l'établissement, je crois qu'il y a des choses qui sont négociables. Négociables entre les parents, les élèves, les enseignants, étant entendu qu'aucun de ces acteurs n'est à égalité je vais prendre un exemple très simple. donner des droits aux malades à l'hôpital, on le fait aujourd'hui. ça n'est certainement pas dire que les malades et les médecins sont égaux. et d'ailleurs, en tant que malade, je ne souhaite pas du tout être l'égal du médecin. mais je veux que le médecin fasse attention à un certain nombre de choses. bon. et par exemple, l'organisation des emplois du temps. par exemple, l'organisation non pas de de la technique d'apprentissage, mais l'organisation d'une partie de la vie scolaire peuvent être définies dans, dans un espace démocratique avec des délégués de parents, etc. etc. Je crois que c'est tout à fait nécessaire pour une raison très simple. C'est que quand vous y réfléchissez, il n'y a pas tellement d'autre légitimité de l'autorité que celle-là. L'argument le plus fort que vous pouvez donner à un élève pour qu'il obéisse, c'est de dire, mon petit vieux, tu vas respecter la loi que nous avons tous votée ensemble. Et au fond, lui dire ça, c'est pas mal dans une société démocratique. Évidemment, je ne suis absolument pas, j'allais dire évidemment, je ne suis pas du tout porté au laxisme pédagogique. Donc, les élèves ont des droits, mais les droits des élèves. Ils n'ont pas le droit de me dire ce que sont les mathématiques. Ils n'ont pas le droit de me dire ce qu'est la sociologie, ça c'est moi qui le fais. En revanche, ils ont le droit de me dire que je les traite mal. Ils ont le droit de me dire que je suis injuste. Ils ont le droit de me dire que je leur demande des devoirs que je ne leur rends pas. Ils ont le droit de dire que je me plains qu'ils m'insultent, mais qui qu n'ont pas le droit, eux, de dire qu'ils ont été insultés par les enseignants. Donc, ils ont des droits, mais évidemment, ce n'est pas des droits égaux. Mais je répète, dans un grand nombre de domaines, nous avons des espaces de négociation qui ne mettent pas en place des égaux. Quand vous discutez de l'implantation d'une centrale nucléaire, ben, entre les habitants et les ingénieurs de la centrale nucléaire, il peut y avoir une discussion démocratique, il n'y a pas une équivalence d'informations sur le nucléaire. Ça ne me choque pas. Donc ce que je veux dire, si vous voulez, c'est pas c'est que tout ça se décline à une série de niveaux, et il me semble qu'on doit, à des niveaux très différents, arriver à créer des sortes de communautés scolaires, etc. Alors sur la deuxième question, sur, euh, euh, faut-il opposer l'émotion, la subjectivité euh, euh, à l'utilitarisme moi, je ne raisonne pas comme ça. Je crois que... Mais c'est vraiment personnel. Pas... Moi, je crois qu'on va à l'école pour apprendre des choses et pour être intelligent. Voilà. voilà. Et d'ailleurs, quand j'interroge les élèves, je préfère vous dire qu'ils m'ont jamais demandé le droit de s'exprimer. Ils veulent devenir plus intelligents. Et ils disent, ce que j'apprends, je ne comprends pas, c'est inutile, ça ne sert à rien. Donc... Euh, que l'école reste l'école. Moi, je suis là-dessus. Euh... D'ailleurs, quand l'école. Comment dirais-je Quand l'école essaie de prendre les, des éléments de la culture juvénile pour en faire un support scolaire, c'est une catastrophe. Je me souviens, j'avais un ami, prof d'anglais, qui euh, se constatait évidemment que ses élèves étaient nuls en anglais, évidemment, mais qu'ils avaient une passion pour la, pour la musique populaire anglaise. Donc, il avait dit, je vais prendre. Lui aussi aimait beaucoup la musique populaire anglaise. Et donc, il avait dit, je vais leur donner des textes de rock, etc. Et ils apprendront l'anglais avec ça. Et les élèves lui avaient dit, mais on aime le rock parce qu'il n'est pas scolaire. Si vous nous faites du rock à l'école, il devient scolaire. Et on n'en veut pas. Donc, faut faire très attention à ça. Les, les, les gamins, ils ont leur vie. Alors, sur la massification, là, la question est plus précise. Je suis pour la massification scolaire, moi. Je trouve qu'il est bien que tout le monde ait le droit d'aller à l'école longtemps. Soyons clairs, je suis pour la massification scolaire. Je trouve qu'il est mieux que 80% des gens aillent à l'école jusqu'à 18 ans que lorsque j'y allais, moi, il y avait 10% des enfants ou 12% des enfants qui allaient jusqu'à 18 ans. C'est mieux. Je, suis, je trouve que c'est mieux. Exactement comme je trouve que c'est mieux que 80% des gens aient des voitures plutôt que 10% des gens aient des voitures. Ceci dit, ça a fait monter le niveau de tout le monde. Ça n'a pas réduit les inégalités entre les gens. Euh, si, si vous voulez, vous avez une égalité collectif qui s'est créé mais dans laquelle les inégalités restent extrêmement fortes. Donc il faut dire la massification ça crée une inégalité une égalité absolue et ça n'a pas limité les inégalités relatives, ce qui pose un gros problème à l'école dont on pourrait parler comment faire pour essayer de limiter les inégalités. Ça c'est un premier raisonnement. Le deuxième raisonnement, celui que j'ai tenu, consiste à dire ce qu'on n'a jamais imaginé, c'est que quand vous massifiez le système scolaire, vous en changez la nature. Et ça, on ne l'a jamais imaginé. Je vois en France, qu'est-ce qu'on s'est dit On s'est dit l'école, c'est bon. L'école, c'est bon en soi. Puisqu'il y a trop de gens qui n'y vont pas longtemps, on va les y faire venir longtemps. Et comme l'école est bonne en soi, ça va être bon qu'ils viennent longtemps. D'accord Le problème, c'est que ça a complètement changé la nature de l'école. Je vais donner un exemple extrêmement simple. Quand j'ai passé le baccalauréat, il y a très très longtemps, nous étions 12% à passer le baccalauréat, 12% d'une classe d'âge. Il y avait trois ou quatre types de baccalauréat. Ça n'avait aucune espèce d'importance pour nous. Puisque de toute façon, on était si peu nombreux à passer le baccalauréat qu'il avait de la valeur. Puisque on était très peu nombreux, donc que vous preniez un littéraire, un scientifique, etc. Ça changeait pas grand-chose sur la valeur du bac. Quand vous avez 80 des gens qui passent le bac, eh bien, les petites différences entre les types de baccalauréat, les types, etc., etc., deviennent des différences fondamentales. Quand vous avez 10% des gens qui ont une voiture, au fond, le grand clivage, il est entre ceux qui ont des voitures et ceux qui n'ont pas de voiture. Mais quand 100% des gens ont des voitures, le grand clivage, c'est ceux qui ont des belles voitures, des grosses voitures, des petites voitures, et on est prêt à mourir pour avoir euh, GTI derrière sa voiture. Parce que c'est ça qui fait la différence si vous voulez tomber une fille. Ce qui intéresse beaucoup les gens, contrairement à ce que vous imaginez. Voilà. Et donc, vous avez déplacé les inégalités. Et à partir de là, évidemment, tous ces gens qui vont à l'école et qui ne sont plus ce que Bourdieu appelait. Pour parler simplement, vous savez que Bourdieu avait fait une thèse célèbre disant à l'école, il y a les héritiers, donc les gens qui ont été faits pour y aller, et les boursiers les enfants du peuple vertueux et désireux de, de croire. Bon, quand je fais mes enquêtes, moi, je ne vois plus beaucoup d'héritiers, de boursiers. J'ai affaire à un public de masse. J'ai affaire à des gens qui ne sont ni des héritiers, ni des boursiers. Et qui sont des gens, évidemment, qui viennent en face de moi, enfin, pas en face de moi. Euh, J'ai fait des travaux là-dessus que je peux décrire. Les, les, la, le grand problème d'une école comme ça, de l'école aujourd'hui, c'est un problème de motivation. Les héritiers étaient motivés. Ils avaient été fabriqués pour être motivés. Les boursiers étaient motivés, puisqu'ils avaient tellement envie de réussir et de, et de monter dans la hiérarchie sociale. Aujourd'hui, le grand problème des élèves, quand j'ai fait mes enquêtes il y a, que vous évoquiez sur les lycéens, les lycéens disaient, les lycéens c'est-à-dire des gens qui ont entre, en France qui auraient entre 17, 18, 19 ans. Je leur posais la question suivante. Qu'est-ce qui est difficile à l'école Qu'est-ce que vous trouvez difficile à l'école Et je m'attendais à ce qu'ils me disent les mathématiques, la discipline. Non. Tous me disaient ce qui est difficile à l'école. C'est de se motiver. C'est de se motiver. C'est-à-dire de se donner des raisons de s'intéresser et de travailler. À ce euh, voilà. Alors l'école de demain, l'école modeste, je veux dire simplement que je souhaite que demain, on vive dans des sociétés qui n'attendent pas la totalité de la justice sociale, du développement économique de l'école. Je souhaite que l'on attribue à l'école une place importante. Mais par exemple, je vais sortir dans quelques mois un livre avec une collègue qui s'appelle Marie Duru, dans lequel on montre que plus les gens croient que l'école est capable de définir les compétences des individus, plus les inégalités scolaires et les inégalités sociales sont fortes. Contrairement à ce qu'on imagine. Je pense qu'une école, qu'une société plus détendue sur les problèmes scolaires serait une société meilleure. Une société dans laquelle un enfant qui échoue à l'école ne serait pas considéré comme un enfant à problème et un cas social parce qu'on dirait il fera de toute façon quelque chose d'une autre manière serait une société meilleure. Je pense qu'une société dans laquelle on pourrait dire je quitte l'école à 16 ans parce que... Si je veux y revenir à 25, on voudra toujours de moi, serait une société meilleure. Voilà. C'est ce que j'appellerais une école modeste. Alors que, quand vous lisez la littérature de l'OCDE, quand vous lisez la littérature de l'Europe, quand vous lisez la littérature des gouvernements, vous avez le sentiment qu'il y a une sorte d'attente qui est irrationnelle. qui n'est pas raisonnable. Qui n'est pas raisonnable. En clair, lisez Ivan no. <laughs> no sé si algú es queda amb alguna pregunta. Sí. Hi haurà alguna més? Perquè estem ja hem consumit el temps, veig que hi ha gent que marxa. No hi ha més preguntes, eh? Fem una pregunta, Jordi? I només una, una pregunta. El, el canvi que proposa és un canvi radical i és un canvi eh, que no només requereix directrius polítiques, ho ha dit, sinó també requereix motivació dels professionals que estan a l'escola. Com es pot motivar plantejant un model modest? On està l'èpica eh, per fer un canvi Canvi? Alors, je, 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 je suis content que vous me posiez cette question parce que euh, dans le cas de, de la France, sur les, pro, sur les problèmes scolaires, il y a une attitude dont je crois savoir qu'elle n'est pas très différente ici qui est ce que j'appelle le radical conservatisme, très fort à l'école. C'est-à-dire des gens qui disent ⁇ il faut tout changer ⁇ Tout changer. Mais comme il faut tout changer, je refuse tous les changements minuscules. Donc vous vous donnez, je dirais, l'élégance du radical et les conforts du conservateur. Ça, c'est une attitude assez général hein euh, vous touchez euh, les horaires des élèves c'est un scandale mais il faudrait faire la révolution le reste du temps bon moi je n'attends pas de révolution je, je, je n'imagine pas qu'un jour on aura une révolution radicale faite par des employés d'état pour dire les choses euh, dans un vieux marxisme euh, bon donc là je crois que le courage aujourd'hui, c'est d'être réformiste. Pour ça, vous me dites changement radical. Moi, je ne suis pas du tout un radical. Je pense qu'il faut être radicalement réformiste et que c'est très compliqué. Et que c'est très compliqué. Je n'aime pas personnellement les espèces de pauses. Pause, comme ça, je vais tout changer. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et puis, si vous changez les horaires du professeur d'espagnol, il devient malade. Bon, donc... Soyons raisonnables, il faut faire des, des petites réformes et c'est très difficile. Donc, vous voyez, moi je suis côté suédois. Ouais. Sur comment motiver les gens, je crois que la sociologie nous apprend des choses. La sociologie nous apprend qu'on ne motive pas les gens en amont. C'est-à-dire que... On va pas dire je vais motiver les professeurs et puis ensuite ils seront motivés, ils enverront les élèves. Je crois qu'il faut changer les conditions du travail, il faut changer les manières de travailler et il faut arriver à convaincre les gens et on peut le faire. On peut le faire que dans d'autres manières de travailler, d'autres contextes de travail. Le travail que je trouvais si pénible, eh bien, il est devenu très agréable. Moi, je connais plein d'expériences Plein d'expériences qui ne sont pas des utopies, d'enseignants qui en ont assez, de se plaindre, de dire que les élèves sont nuls, que le gouvernement est nul, qui n'y a pas assez de moyens et qui disent alors on ne va pas passer 40 ans de notre vie comme ça, et qui fabriquent un établissement tout à fait normal, public, et qui disent bon, allez, on se. On va, on va travailler. Évidemment, on viendra tous les matins à 8 h on partira tous les soirs à 17 h Évidemment, je ne vais pas rester obsessionnellement fixé sur ma discipline. Évidemment, eh bien, ces gens, en général, redécouvrent le, le bonheur de, de, de vivre et de travailler. Je veux dire, ça n'a rien de mystérieux, mais on change les manières de travailler en changeant les conditions du travail. Alors que le monde de l'école croit trop à la pédagogie. Souvent, en tout cas en France, les enseignants vous disent si vous voulez que je change, formez-moi d'abord. Mais je leur dis toujours mais moi mes enfants, je leur ai appris à marcher, j'ai jamais eu de formation pour leur apprendre à marcher. Au fond quand on y pense, la plupart des choses que nous savons faire, nous ont été enseignées par des gens qui n'ont jamais appris à nous les enseigner. Voilà. Ça peut choquer. Par exemple, je sais faire marcher une machine comme ça, je n'ai jamais eu de cours. Je sais nager, je n'ai jamais eu de cours. Enfin, je veux dire, un tas de choses intéressantes, j'avais eu de cours. Eh bien, je crois qu'il faut prendre ce principe que d'ailleurs, au passage, les entreprises appliquent très très bien. Quand une entreprise change de technologie, elle n'imagine pas de fermer ses portes pour former pendant six mois tous les gens. Elle introduit le changement et puis euh, ça se fait. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est de la pratique c'est du pragmatisme. J'insiste beaucoup là-dessus, ce qui en tout cas dans le cas français est très pénible, c'est que on a du mal à poser les problèmes de manière pragmatique. Je vais vous donner un exemple juste avant qu'on arrête. Quand je voulais réformer le système éducatif, j'avais dit au lieu d'envoyer des bulletins scolaires aux parents par la poste, qui fait qu'on ne sait pas s'ils arrivent, etc., il serait bon que les parents viennent chercher une fois par trimestre les bulletins scolaires dans le lycée. Et les professeurs m'avaient dit, et s'ils ne viennent pas, j'avais dit, s'ils ne viennent pas, c'est très intéressant que les parents ne se déplacent pas une fois tous les trois mois pour aller chercher le bulletin scolaire de leur enfant. Et j'avais dit, mais dans ce cas, moi, à votre place, ça me poserait un problème. Et là, on me dit, ah oui, mais on n'est pas des travailleurs sociaux. Voilà. Alors, qu'est-ce que je veux dire Je veux dire, pragmatiquement, ils agissent dans ce cas. Mais quand vous avez dans la tête notre imaginaire, vous avez le sentiment de déchoir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et c'est ça qu'il faut bloquer, c'est toutes ces sortes de représentations qui font qu'en réalité, vous vous posez des obstacles symboliques invraisemblables pour des choses qui en réalité sont d'une extrême euh, banalité. Donc soyons radicalement réformistes. <laughs> Bien, gracias encore Un une professeur. perquè ara ah, no se sent, oi? No funciona. Un no? No secret? Sé sí. Ah, sí. 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 Bueno, no, jo volia dir només que ens ha dit que no era utòpic i que no li agradava massa somiar, però molt del que avui hem sentit i dels seus treballs de més de 30 anys de sociologia de l'educació, Eh, ens parlen d'una escola més justa, d'una escola més democràtica i avui ens ha donat doncs, pistes i en el que ell pensa que, que aquest futur eh, d'escola es construeix doncs, des de la pràctica i des dels petits canvis i des d'aquest eh, compromís quotidià i diari no? eh, i que tot això a més a més doncs, pot ajudar una societat millor agrair-li moltíssim eh, la seva participació en aquest debat i a tots vosaltres també la fet participat i l'està avui aquí. Us volem recordar, si més no, els propers debats, en Josep Maria. Sí. Bé, només recordar que la ponència del, del professor Dubet estarà a la vostra disposició com totes les altres en, en breus dies en la web d'aquests de, de, debats. Eh, que els que hi esteu subscrit, ja sabeu que la pròpia web ja us dona aquesta informació en el moment que la informació és disponible. I recordar-vos, doncs, com us deia l'Anna ara, eh, que tenim la propera edició d'aquests debats el, el dia 9 de febrer amb la ponència d'en Jaap eh, Dronkers. Eh, res més, doncs agraïu-vos novament doncs, la vostra assistència i convocar-vos eh, per la propera. Moltes gràcies. Gràcies.